Nan anmim te gem tan an rele, mwen tan an kourim dan an palan pil. Kouri revege pou mwen sa ka pase, yo tim se Haitik bret pou l depase. Kouri l'hôpital yo tim li pap sove, le nouvel la gaye tout moun don de rele. Oh, yeah, se ba de rele mwen batande. Oh, yo fwa men dan pou minet. Nou drene sak la mizè, menm jou fèt moun sa yo. Gen lè gen ke yon bakan son yo. Moun sa yo. La jenè san nou di yo. Ok, mesdames et messieurs, encore une fois, nous saluons nous tous qui branchés, nous tous qui là avec nous en direct dans la troisième édition symposium. Eh bien, nous allons entrer dans la troisième session. Hein. Et la troisième session qui a commencé, comme nous l'annonçons, c'est Farah Larieux que nous allons présenter. Un symposium créatif et culturel. Et c'est un symposium pour façonner message, stimuler message positif et organiser société. Voilà, c'est sur ça que Farah vient parler nous. Session ça, c'est façonner message, stimuler message positif et organiser société. C'est sur ça que Farah Larieux vient parler. Et c'est lui-même qui va intervenir dans la troisième partie, la troisième session. Symposium, ça. Farah Larieux, c'est un stratège dans la communication, un entrepreneur social et un organisateur communautaire. Il était commencé carrière li, et dans la communication en Haïti, mais ça, il a 17 ans, jeune Dimoun. Et comme un animateur télévision avec personnalité radio, dans Télémax, il a commencé, comme on a dit, et avec la radio Vision 2000. Il était travaillé tout dans Signal FM avec Planet Radio, Planet Créole, et comme artiste et comme actrice, eh bien, Farah était joué dans le film Cicatrice 2 avec Protège-moi. En 2002, Farah fondé en Haïti avec Pierre-Michel Théodat Taylor Advertising qui venait relayer Taylor Management Group. Ici, aux États-Unis, Farah travaille avec l'organisation populaire et syndicat pour aider à organiser plusieurs communautés immigrants et particulièrement communautés haïtiennes. Comme tu dis, nous, c'est pas un monde qui a fait marchand de services, c'est pas un monde qui chita sous l'oreille, qui chita sous mêlée du tout. C'est un monde qui a travaillé, non seulement où elle a fait travail culturel, son militant tout, qui prend béton, de pour aller protester, c'est pour monter Washington, Farah Washington, c'est pour descendre devant l'immigration pour aller protester, et bien Farah descendre. En même temps tout, quel que soit ça que vous faites pour Atisio, Farah pas jamais marchand de service li, pour les supporter Atisio. C'est un honneur pour moi, un privilège pour me gagner beaucoup de témoins. Par l'autre monde que c'est moins un ami moins bon partenaire moins Farah Larieux. Bonsoir Christophe et bonsoir Frère. Bonsoir à tout le monde qui a participé dans ce programme, ça nous c'est sûr particulièrement bon. Et ma première, c'est tout le monde qui était prêt à parler pour venir dans ce symposium-là depuis midi. Et il y a des gens qui sont avec nous jusqu'à présent. Par exemple, Jean Siméon qui est avec nous. Merci. Il faut m'annoncer nous que ce symposium, ça,
sujet qui débat de dire vidéo là disponible et soit sur médias sociaux ou bien soit et la télévision par exemple Télana Kaona qui gagne et pour passer li, pour diffuser li. Donc nous remercier toutes les médias qui supportaient initiative ça bon sujet que on va parler hein, et c'est concernant et comme Christophe Sautet mentionné sujet a, c'est façonner message qui a stimulé stimuler et comportement positif et organiser société qui a stimulé changement social et organiser société hein. M'pas gain prétention bon y a changer j'ai changé ça t'a fait complètement donc excusez-moi pour si nous ouais caméra bouger et comme dit nous que m'pas gain prétention pour me dire que jodi on va ban solution à problème pays m'pas gain prétention pour me dire que gain la connaissance de toute bagarre m'pas gain prétention pour me dire que m'gain réponse à toute bagarre mais par contre et gagner de nouvelles idées, gagner de nouvelles manières de faire et gagner de nouveaux comportements à travers le monde qui ont même à véhiculer. Si à véhiculer à travers le monde, nous ouais à fait dans notre pays, nous gagner là d'ailleurs et dans forum dans session ça, nous gagner de monde qui en France, Wilkinson Pierre Louis, merci beaucoup. Nous gagner Jean Siméon qui Canada, nous gagner Pierre Michel Théodat qui en Haïti, nous gagner nous-mêmes qui là en Floride. Ce qui signifie que nous pas limités. Et dans sens ça, nous capables véhiculer l'autre idée. Nous capables peut-être traverser et entre nous-mêmes et partager entre nous-mêmes l'autre idée qui va aider nous simuler et justement changement social que nous avons demandé. Gagne pareil que m'bral parler de on va pour nous penser que c'est que m'a critiqué négativement ou bien que m'a dit que on monde li bien fait ou bien le mal fait. M'pas là pour me faire ça aujourd'hui hein tout simplement m'pral nous pral élément que m'pral prendre c'est des éléments d'analyse qui pral permettre nous peut-être garder et qui ça n'a cherché garder là n'a tendé une œuvre artistique et là n'a pas gardé une œuvre artistique donc c'est ça qui est qui travaille que travaille m'pral faire aujourd'hui hein même pas voulez que le paraître c'est moi-même qui va porter solution ou bien que moi-même qui gagnais et qui voulait passer pour mon qui piquant m'a commencé avec on pensait de Roy Bennett auteur et du livre Light in the Heart et Roy Bennett dit maturity is when you stop complaining and making excuses in your life. You realize everything that happens in life is a result of the previous choice you have made and start making new choices to change your life. En créole, c'est maturité, c'est l'heure où suspendre plainte à chercher excuses dans la vie ou réaliser tout bien qui arrive dans la vie via c'est un résultat de choix que vous avez fait avant et puis commencer à faire nouveaux choix pour changer la vie. Et me penser nous-mêmes haïtiens nous n'a qu'à fou ça. Qu'à fou pour nous dire nous, mais choix nous de faire yo, et côté ou mène nous, je dis un qui choix que nous va faire. Là, nous regardons l'histoire pays nous, et après le 2006, parce que nous sommes une génération fin 70. Donc, là, nous regardons l'histoire pays nous après 86, côté 86, t'es gagné et chute du Valier, tout le monde a parlé démocratie, tout le monde a parlé pays pour changer, tout le monde a payé vent de changement, vent de libération. Eh bien, nous regardons depuis là, ça, c'est instabilité politique, crise après crise, depuis 86. Et là, dans la présentation, nous regardons une série de dates clés
86, la dictature 87, élection qui mal passé, massacre électeur dans Riel Vaillant, 90, l'armée contre Palais, et nous faisons élection, 91, 94, coup d'État contre Aristide, embargo, 2000, assassinat Jean-Dominique, crise politique, 2003, 2004, mobilisation populaire contre Aristide, 2005, crise électorale, 2010, crise électorale, 2011, 2016, ouf, enfin, nous arrivons là, en 2021. Ça fait quoi? Ça fait 35 ans. Donc, nous imaginons, nous fait dans les années 70, il n'y a pas notre barre avec une crise politique. Il n'y a pas de dictature du Valier, mais au monde qui, dans la génération, nous reste en pile. Donc, nous essoufflés, hein? Tout le monde essoufflé. M'invite nous et on l'autre pensée de Ray Bennett. Toujours dans le livre liant The Light in the Heart. Il dit, turn your obstacles into opportunities and your problems into possibilities. Virez obstacles yo nan comme opportunité et problèmes yo nan possibilité. Et le titre liant, c'est The Light in the Heart, en créant la lumière nan cœur. Donc, en fait, ça li veut dire nous, c'est que, yeah, nous gen lumière nan cœur nous. Et nous gagnons, est-ce que nous voulons toujours être pour nous parler de problèmes, pour nous plaindre de problèmes? Non? Parce que quand même, 37 ans après, nous avons plein de problèmes. Non? Nous avons là une image que m'a présentée qui c'est deux images, une à gauche, une à droite. Et nous avons envie que les participants disent, nous tapons sur le chat ça, dans l'image gauche ou bien dans l'image droite là. Qui yes nan environnement sa yo nou ta anvi viv la dan. An pe vite nou tape ki yes nan environnement sa nou wè nan photo an et ke nou gen devan nou an devan ekran nou an ki nan ki environnement nou ta anvi viv. An pe son pou tape. Nan environnement ou moun reprann mwen. Qui choix ça qu'on a envie faire dans deux images à gauche et à droite dans qui qu'on t'a envie vivre bien weekend son qui point qui côté vête là parce que Chris merci côté qui vert là Christophe merci côté qui vert là ce qui signifie que tout ça n'a fait dans la vie nous sont question de choix nous pas différents de l'autre peuple nous même haïtien. Nous avons envie de vivre côté de vêtements là. Pourtant, la réalité qui est devant nous, c'est corruption. C'est pauvreté, c'est incompétence, et dépression, valeur morale, mauvaise gestion, dépression, valeur patriotique, dépression éthique avec intégrité, niveau système éducatif qui bat, et manque de vision. Nous, ouais, ça empile la société noire. Et nous, tout a demandé changement social. Oui, tout le monde a demandé changement social. Mais qui boit? Comment? Par qui moun? Qui côté pour nous commencer? Ça, c'est une grosse question. Qui côté pour nous commencer? Et c'est là que la conversation a commencé et Rivela a posé question ça. En pile fois, nous vraiment, et par contre, réponse, parce que nous avons l'impression, et justement, en Antonin et bien, si tu as dit ça tout à l'heure, on a l'impression que c'est tellement grave. Ou pas un côté pour commencer. Mais en fait, il faut commencer un côté. Et c'est ça nous n'a parlé aujourd'hui. Qui côté nous qu'a commencé? Donc, comment pour nous joindre une solution à problème nous? Et ça sont vos questions. Mais maintenant, on n'a pas les nous démontre nos crises que nous gagnons depuis pratiquement 35 ans. En pile la crise, ça nous fait réaction. On a réagi, on fait manifestation, pile manifestation, case brisée. Et tout le temps. N'a fait réaction et tout le temps nous n'a plein tout nous dit plus nous fait réaction qui ça nous constate c'est plus n'a descend en fait réaction yo pas jamais fait nous monter parce que nous t'a plein pour président nous fait manifestation mais le président en tête on l'a président monter qu'elle est bien mal donc quelque part faut nous questionner tête est-ce que réaction yo c'est ça seulement nous devons faire comment nous ca passer de mouvement réactionnel à mouvement organisationnel. Comment nous capables de sortir de réaction pour nous faire prévention? Parce que, et en fait,
nous connaissons que chaque jour nous lever, nous mangeons, nous mangeons, essayer de manger, nous faisons essayer d'activité, la marche, le sport, nous n'aldormons en certaines heures, nous prenons vitamines et gain de bagage, nous protéger environnement nous, par exemple là pour Covid là, tout le monde retient dans caille parce que nous fait prévention, nous pas voulons malade, c'est pas vrai? Donc quelque part c'est pas tant de problèmes non, et puis pour après là moi vous mettez mes en tête pour dire mes amis à la paye pas une chance quelque part donc façon qu'on a prévenu pour pas gagner changement ça yo, pour pas gagner crise ça yo plutôt, et pour pas gagner changement qu'on besoin gagner. Donc pour gagner prévention faut qu'on passe de mouvement réactionnaire à mouvement organisationnel. Forme du c'est un contexte qui son concept qui que tout pays nous est progressé, tout pays nous est avancé, le Canada, la France, les États-Unis pour ne citer que cela. Nous reconnaître li, nous parler l'empire nous connaît. C'est des pays organisés. C'est vrai, hein? Nous toujours dit ça, pays organisés. Donc, assez souvent la conversation qui nous dit oh, faut qu'haïtien organisé, hein. Assez souvent nous dit haïtien pas organisé. Pourtant nous répéter thème ça yo tout en venir et donc qui ça nous qui ça avait dit on doit poser cette question ça avait dit organiser ça veut dire organiser une société si nous avons une définition organisée c'est organiser une communauté ou bien une société c'est méthode pour engager et encadrer moun ak objectif pour augmenter influence yon groupe qui pas représenté dans politique, dans loi, à décision qui apprend, qui pral affecter la vie. Organiser communauté ou bien société, c'est à la fois un, yon tactique pour adresser problème spécifique, deux, yon engagement à long terme, trois, et stratégie autonome, objectif à long terme pour organiser communauté ou bien société, hein, c'est pour développer capacité interne, à pour augmenter pouvoir moun yo pour yo ka participer dans décision ak influence groupe lan ou bien communauté qui pral représenter. Nous ka gagner dans définition ça gagne une série de mots que mettez en gros parce que ce sont des mots clés yo. Méthode, engager, encadrer, influencer, représenter, affecter la vie moun. Tactique, adresser problème spécifique, engagement à long terme et stratégie autonome. Développer capacité interne, développer capacité moun, augmenter pouvoir moun, participer, influence groupe qui pral représenter. Réfléchis sur mot ça. Est-ce que nous croyons que dans discours gain en Haïti, mot ça yo yo reflété dans l'engagement? Toujours dans le concept organisé et société, qui ça nous est? Nous est son chaîne nié. Nous faisons ça tout le temps, nous-mêmes haïtiens. Nous avons évalué, nous avons réfléchi, nous avons demandé ça pour nous faire, nous avons fait analyse, nous avons un paquet de débats politiques et ramassé, nous avons eu une émission sur tout média. Pourtant, nous avons fait, nous avons parlé. Mais, changement social demande plus que parler. Où commencer et ceci équation ça me balba nous en équation que toute organisation populaire et organisation syndicale qui est à l'étranger qui n'a pas pays progresser qui a progressé yo ça nourrit les gros pays entre parenthèses en langage Jules Guianou eh bien c'est l'équation ça que me présenter dans que me présenter là c'est lui-même yo respecté. C'est stratégie pour nous organiser. Il commence par un à un, développer relation, identifier problème yo. Développer relation c'est ça n'a fait là. Dans ce podium ça, nous on pas qu'être nous sortir tout côté au Canada, France, en Haïti, là aux États-Unis et ça côté l'autre monde que par contre côté sortir Elisabeth Augustin et souka mettre le chat là qui côté va suivre nous, Stéphane Durand quoi c'est Orlando Elisha Malone,
et sous ka mette tout qui côté au sorti dans chat pam dans envie qu'on est qui côté nous côté n'a suivre on a suivre et symposium ça Wilkinson Pierre Louis m'connon au Canada en France Jude Sever ou au Canada Jose Simé au Canada Christophe Simé ici dans Floride il commençait avec relation moun ak moun il commençait avec moun qui allait dans même ligne d'idée avoir moun qui croit dans même idéologie dans même vision ça et bien c'est là que ou commencer à organiser ensuite qu'on y est ou là ou coûter une lotte nous discuter problème yo ensemble qu'on y est guess what nous voir les solutions n'a chercher solutions yo et solutions yo comment vous recherchez c'est choisir un problème spécifique attendez choisir un problème spécifique analyser li et décider qui action que nous praler poser ensemble développer relation ak officiel yo pour nous gagner influence maintenant il y a pile monde qui parle qui te dit ah voilà qui officiel on parle là bon oui dans campagne nous même officiel là nous ka questionner mais bien sûr faut nous connaître que c'est pas seulement officiel en Haïti pour nous penser parce que là en pile nous qui sont et qui suivent et présentation ça ou c'est posé en général et en pile là nous qui pas regarder vidéo là nous éparpillés à l'étranger et nous capables développer groupe d'influence par nous dans zone la caille nous donc c'est choisir un problème spécifique analyser li et décider qui action que nous prenons. M'pas veut que nous focus seulement sur Haïti parce que nous capables organiser nous comme citoyens ou organiser secteur artistique là non par région ou bien par ville par commune il est pas obligé que vous nous dites oh nous va organiser ça Haïti nous va aller non pour nous connaître capacité nous et ça sont l'autre débat maintenant là nous fin pendant n'a rechercher pour nous organiser nous n'a développer l'idée vision idéale. Et c'est comme ça nous pas poser des actions parce que c'est pas seulement parler je dis dans cette position non nous venons nous parler mais qui l'autre action qu'a fait pour action pour le démontrer pouvoir communauté ou bien pouvoir groupe là ou bien pouvoir secteur artistique là poser action pour le montrer pouvoir secteur artistique là et puis kembe officiel yo responsable encore une fois m'a rappelé nous l'aime dit officiel il va obligé officiel en Haïti tâche une équation qui simple dans toute notion d'organiser en anglais ou bien organiser. Nous avons l'autre question que bien pour nous. Gagné sur écran nous on a regardé une photo. Dans vous mon dit sa photo en l'air représenter pour lui. M'a dit nous qui ça moi la photo m'a envie you mon participant dit qui sa photo en l'air représenter et qui ça le voit dans photo en bas. S'il vous plaît, nous ka tape li sous dans chat là. Qui ça nous dans photo en l'air et qui ça nous dans photo en bas. OK, juste pour qu'on avance, moi Wilkinson a tapé. M'a pas de réponse Wilkinson, ça m'a fait m'a pouvait micro lent parce que comme nous pas grand pile monde donc et ou capable de venir on stage ou après et un bouton une fenêtre qui paraît devant qui dit pour venir et join on stage c'est ça Mathéo join on stage ou cliquer sur lien encore accepter Wilkinson I already invited him Wilkinson OK et songez pour retirer to mute. OK, Wilkinson dit photo en l'air a montré un prédateur et ça en bas un monde qui victime. OK. Wilkinson, vous voulez élaborer? Juste pour me donner un petit pour toujours pendant Wilkinson a préparé Wilkinson si vous avez supposé cliquer sur le deuxième bouton. OK, ah. It's coming. OK, songez au retirer sous mute. Non, bienvenue Wilkinson, content wow et merci pour participation à ce podium. Oui, Farah, vous entendez? Oui, je t'écoute.
Oui, donc Farah, bonsoir. Donc, moi, opinion, moi, c'est que l'image en l'air a représenté une espèce prédatrice qui a essayé de manger plus petit, qui a fait la chasse hein, pour remplir ventre lit. Alors, ce que même espèce ça, dans la deuxième image en bas, là, dans fois ça, c'est lui qui est victime, lui joigne un groupe organisé qui a poursuivi, par contre. Dans l'image en l'air, l'autre, il n'est pas organisé, il a couru dans tous sens, il a payé, il a essayé de fuir, pour reprendre. Superbe, superbe, Wilkinson. Ou gen un gros poisson, kap manjon paquet petit poisson qui pas organisé. Kap fui, te kou di ki peur. Et puis, imagine Rouen, ou genyen petit poisson, tout de gros poisson pou manje, ki pi gros que gros poisson que tu as essayé de manger. Super. Oui, c'est un bel exemple de transformation mentale. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez Pepe Haïtien, hein, il représente, il plus, et imagine il a plus représenté situation Haïti à côté où il y a une force obscure qui a couru manger, on différents groupes monde qui divisé, qui pas organisé, et donc, petit à petit, il a mangé au grain par grain, bon, à la fin, vous le finissez par manger tout. Et en bas, où il y a une image qui représente au côté toute petit, yo, réuni, organisé, yo, pour yo combattre, force ça, qui a essayé de détruire, éliminer, et là où faut ça, la PC est sauvée, la PC est partie, et c'est peut-être petit masse là qui réunit, organisé, qui réunit à présent, après aussi détruire, éliminer, ou l'autre là bien temps partie, sauvée, donc il n'y a pas bien l'idée encore retourner parce que le connaît qu'on y a, si l'autre yo organisé, yo fort, yo puissant. Voilà, merci beaucoup Wilkinson et mettre bon micro hein, ou mettre faire symposium là parce que justement l'idée ça c'est les mêmes que nous pas jamais vraiment implémenter en tête nous haïtiens. Bien sûr nous parler de organiser et ça encore là comment pour organiser. Maintenant nous pas là-bas dans l'autre aspect de question. Et si il y a l'autre monde qui veut rejoindre, parce que comme nous pas un groupe qui large, et donc, j'ai envie quand même que, il y a un monde qui participait dans ce programme, partir dans la conversation, bien que nous connaissons que nos temps limités, m'a pas avec nous pour toute la soirée, hein. Mais toutefois, j'ai envie d'entendre opinion en pile dans nous, qui sont, qui là, qui l'assistent ensemble, et qui, que nous capables de véhiculer. Parce que je veux gagner plus d'interaction, je veux juste une présentation, parce que je veux faire présentation, je veux faire un dialogue avec nous. Parce que nous, chaque qui l'a représenté, au moins, sont importants dans le secteur culturel haïtien. Contrairement à ça, en allant tourner ta palette, tu dis que bon, et que, et tu dis que, et pour qui ça, on les symposiums, parce que les symposiums sont un groupe de scientifiques qui réunit et que lui-même l'a fait couleur. Même, et avec tout respect, mais pour Arnold, on n'a pas comprendre que secteur industrie culturelle et artistique là, créatif là, sont sciences et tout. Donc, ce qui signifie que la science, c'est pas seulement docteur et pharmacien ou bien et monde qui est en laboratoire là. Depuis où pratiquer on pratique un domaine. Ou à développer domaine nan, donc il fait appel à une certaine science tout. Ce qui signifie que c'est pour nous suspendre aborder le secteur artistique comme d'adou son tiba qui bat, bon, et que comme nous pas gagne un gros niveau là-dedans, en nous descendre niveau en non. Faut que justement, faut nous retirer ça dans la tête nous. Et nous-mêmes qui dans le domaine nan, faut nous valoriser nous. C'est-à-dire nous venons intégrer l'éthique, la manière de faire, comment nous, et l'intégrité. Donc, c'est là nous parlons comment c'est valoriser, je nous fais business, je nous valoriser, je nous traite une autre, je nous valoriser comment nous produit et événements nous, par exemple là, événement et symposium ça nous fait sur internet là, l'immense des heures, des semaines de préparation pour nous à point, pour nous capables bail participants yo, on événement de qualité. Donc c'est la qualité c'est une affaire. Femme t'a même appuyé ça dit hein, dans le sens que non contexte haïtien côté que éducation pas assez développée, il pas assez de bonne qualité. Nous gain chance quand même que nous gain un pilote autodidacte notamment dans le domaine artistique et culturel qui est arrivé travail pour développer Ario. Donc pas c'est pas monde qui était formé forcément à la base
Et donc, malgré tout, où est le résultat de création, yo, qui est tout à fait valable par rapport à ça qu'a fait dans l'autre pays, gain chance à l'étranger à l'étudier puisque nous pas gain institut en Haïti pour former monde dans les arts peut-être gain 2-3 on connaît gain 2-3 mais pas gain assez disons et des fois yo pas gain accès à eux-mêmes à jeunes artistes pour ta cap développer ario développer skills yo donc yo dit en anglais. Donc, je pense qu'il faut pas minimiser que parce que yo c'est autodidacte, que yo, donc nous pas qu'à élever les arts dans niveau scientifique. Merci, très important, très bon point. Et c'est ça pour nous rentrer dans cette culture ça, ces croyances ça, pour nous rentrer pour nous dire, écoutez, je dis, on va commencer vraiment bataille dans l'école et artistique, bataille pour vos formations, mais avec le temps, ou aller aux transformations, ou à l'école. Par exemple, moi-même, je ne suis pas parfait exemple. Et je commence en Haïti, formation de base, moi, c'est licence en sciences informatiques. de profession, de formation, disons, ingénieur en sciences informatiques. Comme j'ai pratiqué, je commence dans la communication, je vais aller dans l'école journaliste. Et pourtant, l'homme vient, ouais. Comment travail m'a fait dans Télémax, dans notre média en Haïti, vin gen impact sur société hein. Min gon jan m'organiser, gon jan m'parfaire, moi m'améliorer et puis en plus de ça m'entourer de monde qui encadre. Vin gen Pierre-Michel Théodate qui lui-même vin nous mentor, vin nous papa pour moi, li vini à qui il dit on monte en agence de à l'époque nous te welcome agence de publicité qui a fait publicité pour et artistes haïtiens sur le marché international. Mais là, je viens quitter Haïti, mais aux États-Unis, qui ça me dit tête moins. Ben, mal derrière la connaissance pour m'améliorer le travail que m'a fait. Pour m'améliorer la qualité de travail que m'a fait dans le télé-management groupe et dans le secteur. Et c'est ainsi que ces connaissances, ça a fait que moi-même, j'ai l'autre manière que m'aborder le secteur artistique. Et ça fait tout le monde ouais, que tout le monde a dit secteur artistique, pas dit industrie, les industries créatives et culturelles. Donc, quelque part, c'est plus on prend conscience de l'impact qu'on gagne dans l'environnement, dans la société, hein, plus on prend connaissance. Et c'est pas seulement chita à l'université qui veut dire qu'on prend, toute connaissance, parce que plus on prend, surtout de nos jours, on gagne un livre, on gagne un peu de formation séminaire qu'on fait dans l'université. Donc, ça, c'est là nous valoriser tête, non. Maintenant, gagne tout. Ou va pas améliorer tête tout mais on veut transformer l'environnement. Et dans ce sens ça tout nous on parler de organiser comme nous parler de comment nous organiser mais pour nous organiser il faut que nous gagnions que un terme américain qui connaît un terme anglais qui connaît très populaire à travers le monde faut nous gagner leadership faut nous gagner bon leader. Et dans ce sens ça à nous parler de leadership qu'on a. Faut que nous apprendre à reconnaître bon leader. Et m'a demandé et pour rejoindre nous et au monde et chef Stéphane Durand qui chef Stéphane c'est président de Haitian Culinary Alliance au monde qui gon vision on haïtien un garçon haïtien qui a fait manger mais le bon vision en tête lui so, m'a invité on stage chef Stéphane Durand pour le dire nous en fait les mêmes comme président et Culinary Alliance, qui vision le gagne pour gastronomie? Chef Stéphane, Matteo is getting ready. Je souhaite que vous venez nous très bientôt. Et pressez, cliquez bouton et bleu, hein? Ou cliquez en premier et ou cliquez en deuxième. Et puis après, Pabli retire au sous-mute. Pendant que nous avons chef Stéphane, parce que nous avons envie, chef Stéphane, de parler lui-même de travail à faire dans le secteur, dans le domaine gastronomie, je continue avec la présentation. Je me dis que, après nous reconnaître bon leader, monde qui menait au soit commander un groupe, organisation, au soit un pays, au soit une communauté. Hein? Comment le monde vient un bon leader? C'est à travers le développement, leadership. Il y a un peu de monde qui connaît, comme dit nous, qui a le prend, qui a l'école, qui prend un PhD en leadership, puis il est au docteur. Maintenant, est-ce que il y a un diplôme en leadership, veut dire bon leader?
Chef Stéphane ka répond ça. Nous même tout nous ka répond ça parce que dans pile monde gen diplôme dans pays nous. Nous pa rap di que Haïti pa gen moun gen diplôme. Dans diaspora Jean-Jacques moun gen diplôme. Développement leadership c'est qui ça? C'est un programme éducation soit une activité qui fait moun vini pi bon leader. Leadership c'est manière pour motiver un groupe moun agir dans direction pour réaliser un objectif commun qui ka gagner un impact. C'est manière pour inspirer l'autre moun, motiver yo et préparer yo pour yo poser action qui aider action qui a nan intérêt groupe là. Compétence leadership c'est force à capacité yon moun démontrer qui aider processus là guider initiative à diriger groupe là dans direction pour atteindre objectif là. Yon leader qui compétent gagne capacité pour les déléguer, inspirer et communiquer effectivement. Chef Stéphane ou avec nous là et m'a mandé retire sous mute. Ah, dis-nous, chef Stéphane, ou même qui a une vision pour gastronomie, parce que bon, nous même en Haïti, ou moun ka fait manger, son cuisinière, ou moun ka fait manger, l'en cuisine, soit faire ou même devant nos organisations, notre organisation, qui est le Haitian Culinary Alliance, ou bien en français, ou bien en créole, Alliance Culinaire Haïtienne. Dis-nous, côté des associés. Bon. M'a dit que moi dans métier et cuisinier professionnel depuis plus de 20 ans. Et j'ai commencé carrière moi aux États-Unis et moi passé dans plusieurs gros organisations qui incluent et United States Air Force et comme chef exécutif. Et m'a dit que le moi retourner en Haïti en 2009, qui était juste avant les tremblements de terre. Moi, je fais visite d'abord dans le market, dans le supermarché. Et moi, remarqué que un pays qui était une plus gros et pays Caraïbes en termes d'agriculture a consommé kounien plus de 90% de produits qui importaient. En 2010, après le tremblement de terre, je suis rentré dans une supposée école culinaire haïtienne et que le gouvernement qui en bas tutelle et ministère du tourisme. Moi, je jouais en quantité d'élèves et attentif et qui a envie d'apprendre et malheureusement dans des conditions un petit peu en dessous de ça me penser qui t'a supposé un standard et involve maintenant dans plusieurs organisations culinaires que organisations professionnelles fait me réaliser que l'homme retourne en Haïti me t'ai une responsabilité. Nous avons une responsabilité pour que nous changer l'idéologie qui sacrée Léon pour un cuisinier professionnel. Nous avons une responsabilité pour que nous inspirer. Nous avons une responsabilité pour que nous éduquer. Et nous avons une responsabilité pour que moins bail un espoir à des jeunes qui gagnent aspiration cuisine mais non industrie en Haïti qui pas développé dans le point que pas gain des grosses opportunités là-dedans. Pas oublier que on ka di moi-même le retour en Haïti en 2009 on ka compter sous main ça seulement comme un chef haïtien qui a postulé dans l'hôtel ou bien dans restaurant. Tout c'était des étrangers. Tout gros l'hôtel New York, c'est des étrangers. C'est pas vrai. Restaurant New York, c'est des étrangers. À 90%. Wow. Si vous restaurant un chef, ils sont des chefs étrangers. Li. Si vous l'hôtel qui un chef, que c'est Oasis, que c'est Caribé, que c'est Kinam, on va continuer toujours. Tout c'est des chefs étrangers. Wow.
son gros bagay la ou di chef Stéphane, ce qui signifie non pays côté cuisine nous commencer reconnu internationalement, nous gon paquet hôtel en Haïti, yo pa bay haïtien travail et puis c'est étranger qui vient travailler dans pays hein? Non mais comprenne bien. C'est pas que nous pas de chef haïtien qui c'est des professionnels qui travaillent dans l'industrie, non? C'est que personne pas te connaît. Pas vrai? C'est des jeunes professionnels qui travaillent aux États-Unis, qui travaillent en Europe, qui travaillent de l'autre côté. Ou pas qu'on est yo. OK? Donc, et peut-être que yo pas de jambe gen intérêt non plus retourner la caillou pour quelque soit yon raison pour l'autre. Et Kounia, comment ou vin décider monter association Alliance culinaire haïtienne? Eh ben voilà. So, en 2011, moi lancé premier festival gastronomie en Haïti. OK? Et à partir de festival ça, moi commencé à découvrir chef haïtien autour du monde. Des jeunes chefs, des chefs qui assaisonnent tout, ça veut dire qu'il a dans business ça depuis longtemps. OK? Le peu de chefs haïtiens que moi rencontré en Haïti en 2010-2011, m'a fait festival ça, yo pas tant pile. Yo te ka moins que 10. Maintenant, au fin constituer monter l'organisation ça. Qui challenge qu'on gagne pour rassembler chef ça vraiment. Ça sont belles questions ça. Puis gros challenge c'était ensemble. Puis gros challenge c'est comprendre yon grande vision. Puis gros challenge c'est comprendre pouvoir que nous gagnons le nous ensemble. Nous fort haïtien dans tout territoire national et dans le monde. Nous fort comme des individuels. Nous c'est superstar dans quel que soit domaine que nous mettons nous là-dedans, que c'est médecine, que c'est avocat, que c'est whatever saleté, nous fort comme des individuels. Nous accomplis des bagages extraordinaires comme des individuels. Mais quand il s'agit de kounyan, de prendre tout individuel ça et rentrer au nom grain noyau et pour nous dire kounyan en nous créer un impact qui longtemps plus gros que impact individuel qu'on sort faire. Mais travail. Maintenant, chef Stéphane, je suis content que vous venez parler, vous expliquer nous-mêmes l'expérience et comment les difficiles. Je vais continuer avec la présentation, même bien une dernière question pour vous. Avec plaisir. Et, malgré les filles, ça faut continuer à persévérer. Ça motive. Parce que je believe dans le travail que je fais. Lorsque je lance ce festival ça en 10 ans, le changement que moi ouais qui rivé que nous accompli premièrement nous changer tout mindset toute façon de penser et industrie haïtienne nous vinn gon paquet jeune chef haïtien qui retourner la caillou vinn travail et on a vu un changement partout chef haïtien connait son chef haïtien qui chef exécutif caribé son chef haïtien qui chef exécutif la réserve, son chef haïtien qui chef exécutif plusieurs restaurants. Mais changement qui arrive. On a vu ce changement, même ou avec yeux, mais pas bon cap dit non. Et on nous fait accomplissement ça. Nous, moi voyager par le monde sur les invitations d'ambassadeurs et de consuls pour présenter cuisine haïtienne, même moi, résultat. On compte ça me gagne même. On compte valeur ça me gagne même là. Son valeur ordinaire. Merci beaucoup, chef Stéphane. Ou mwenmè témoignage ça pour nous dans la présentation ça jeudi. Hein? C'est que on montre que l'impossible. Quelle qualité leadership qui fait un bon leader? En nous garder si chef Stéphane gagne. Honnêteté et intégrité. Confiance li inspire l'autre monde. Engagement à patience, à passion que le gagne. Bon communication. Capacité pour prendre décision.
responsabilité, konnen kouman pou delege ak bay lòt moun e otonomi yo, kreativite ak inovasyon, empati, li wè yon problèm, li ede rezoud problèm nan. Rezilyans, se pa yon pil rezilyans, intelijans emosyonel, li konekte ak peyil, li konekte avèk bezwen peyil, realite peyil, humilité que le guerre, transparence, vision ak objectif. En fait, gen des qualités font moun genyen pour capable vini bon leader, ça n'a pas cherché. Mes amis, depuis matin n'a parlé de impact que contribution que zèv artistique yo, ou si vous voulez artiste yo, ka gen la changement social. Est-ce que nous croyons que dans l'histoire, dans l'expérience chef Stéphane, dans salle sont raconté nous, est-ce que nous pas penser que gen de monde qui yo même connaît comment pour yo organiser. Et me dit nous ça au début, m'a gen prétention, me dit c'est moi qui pas venir la réponse ou bien qui va le passer comme piconne. Et c'est ça qui fait m'inviter chef Stéphane parce que les mêmes dans l'association qui derrière la ANSA, c'est sûr qu'il y a une longue route pour le faire. Même si que le monde qui attend il a senti l'inspiré. Il a comprendre que oh, si monsieur qui a fait ça avec cuisinier haïtien, avec chef haïtien parce que dans tête pas nous grand pile monde dit oh, chef cuisinier, qu'est-ce ça il? On va dans regarder un regarder ça artiste, qu'est-ce ça lié? Très bien, chef Stéphane, merci pour leadership, merci pour accomplissement et me connaît pour plus pour faire toujours. Et vas-y, Rigenso, tu veux dire quelque chose? Oui, mais avant que vous passez à un autre sujet, féliciter Chef Stéphane. Moi, je suis toute salle d'IO. En tant que professionnel, il a accompli en plus le bagage et il essaie de mettre Arli, capacité au service de pays nous, qui fait qu'elle est arrivée à obtenir certains résultats. Tout. Et puis, c'est surtout chute histoire lui racontée à qui vraiment sensibilisé moi. Question de parler de nous avons trop culture de forte individualité dans la caille nous en Haïti. Nous pas penser à collectif là. Vous comprenez? Et ça, son bail qui est déterminant, non seulement dans les arts, mais dans tout domaine, qui, pour qu'on change ma mentalité, la caille peut pas ici, hein. Non, nous chita n'a fabriqué des grosses personnalités, d'excellents éléments, quelques grands excellents éléments qui pourraient souvent et à l'étranger pourraient l'utile. C'est pas en Haïti. Nous, on ça très bien. La plupart de gros têtes, yo, c'est les grands d'Haïti, comme yo dit, c'est à l'étranger, yo, et souvent. Y a marché, fait promotion, yo, parler de yo comme grande personnalité haïtienne, yo, c'est image Haïti, tout ça, mais, vraie image haïtienne, nous, ouais, ça lié. Tout problème que nous avons confronté en Haïti actuellement, tout ça. Moun sa, yo pas utile grand chose. Yo son représentation à l'étranger qui pas correspond à la réalité pays, a. Alors que, si nous te créons bon collectif à la base, qui te qu'a fait pays à marcher correctement, que nous pas t'obliger à faire confiance à une série de médiocres. Parce que, un moun qui là, qui n'a pas occupé place côté moun d'excellence tadouya, dans la majeure partie des cas, sont bon médiocres, yo, hein? C'est l'ère des médiocres, nous mettons deal. Actuellement, c'est l'ère des médiocres en Haïti. Maintenant, qui fait payer à tête en bas. D'accord avec Wilkinson, mais je dis, on n'a pas essayé de poser des problèmes, mais on n'a pas essayé de voir comment nous sommes capables de une conversation pour nous solutionner. Et dans ce sens, je ne sais pas montrer nous que vous n'êtes pas obligé au grand nombre, non, pour être capable de faire un impact. Et vous n'êtes pas obligé tout ce qu'on faire, vous obligé de faire un impact rapide, c'est-à-dire dans le temps. Ni li ka fon impact rapide société. Mais on dit, si nous gagnons 10 chefs Stéphane, 10 chefs Stéphane, en passant, c'est-à-dire 10 moun qui allaient dans la mentalité de leadership, c'est la mentalité de développer un secteur côté lié, dans la mentalité pour les rassembler groupe moun dans le secteur par là. Parce que chef Stéphane, lui-même, li nan culinaire, li rete nan culinaire. Il n'a pas une prétention pour dire qu'il va développer tout le secteur artistique. Hein. Mais, nous connaissons ça l'art culinaire qu'on y a représenté. D'ailleurs, la cuisine haïtienne est une ambassadeur. Nous. Peut-être que mon qui va avoir un chef Stéphane, même si il y a un long catering, et puis c'est chef Stéphane qui est présenté. Quelque part,
Si nous gagnons 10 chefs Stéphane, nous gagnons 100 chefs Stéphane, 1000 chefs Stéphane, et au chaque, yo influence dans le groupe par yo, dans le secteur par yo. Et ensemble, nous avons une plateforme, tant pour la symposium, nan, côté nous avons connecté quelque part, côté nous avons gagné des collaborations, des échanges. Tant que le diagramme ça que me présenter là, comment le secteur artistique là a aidé à faire promotion l'autre idée? Au monde qui t'a posé question, eh bien, nous avons une réponse. Donc, je dis, nous avons chef Stéphane, nous avons Wilkinson qui est dans les médias, nous avons l'autre monde qui est GS qui est dans les médias. Donc, ça, nous collectons des dates, j'en image à l'homme de présenter, on peut petit poisson, yo vient mettre ensemble, yo ka manger gros poisson, yo. Ça veut dire, chaque petit poisson, ça vient faire gros. Maintenant, nous comprenons que malheureusement, nous programmons pour nous capables, pour nous cultiver l'individualisme. Faut nous dire, nous programmer comme ça. Mais ce qui signifie que nous avons déprogrammé tout. Donc là, quand fait promotion l'autre idée, nous avons artistes. Et comment l'on a connecté? Nous avons artistes d'une part, entrepreneurs, professionnels, journalistes culturels, médias. Nous connecter quelque part. Songez de parler de stratégie. Nous poser problème yo, nous ka solutionner yo. Mais comment solutionner yo? Faut nous des stratégies. Qui choix que ou a fait ou même? BIC te parler de question de monde qui fait choix, yo fait musique parce que ou bien yo fait yo vulgarise négativité ou bien saleté ou bien médiocrité hein? Parce que yo fait choix. Parce que on rend compte que négativité hein, c'est lui qui va le faire au populaire. C'est son choix que mon en fait. Maintenant nous d'accord tout que moun qui là jodi hein, qui a participé dans ce symposium là, nous fait choix pour positif. Nous sommes minorité, c'est vrai. Parce que monsieur Gampilon va dire ça mieux, grain moi-même ou bien de toi grain nous-même là, nous pas capable de faire rien. C'est faux. Parce que en fait, les commencer par un petit groupe monde qui eux-mêmes développé une idée, développé une idéologie, développé une vision, yo organisé yo, yo fait stratégie, plus yo créé yo metti yo vini avec des objectifs spécifiques à court, à moyen, à long terme. Chef Stéphane, m'a connaissu, moi j'ai l'impression dans téléphone, par contre soit suivre moi. J'ai l'impression dans le téléphone. Mais, je vais poser la question tout à l'heure parce que j'ai envie de dire nous qui objectif à court terme, moyen terme et long terme. Nous-mêmes qui sommes dans le secteur artistique, est-ce que nous pensons à ça? Est-ce que nous pensons à qui action nous pourrons poser qui est capable de gagner? Nous avons besoin d'action qui a un impact à court terme. Nous avons besoin d'action qui a un impact à moyen terme ou à long terme. Et tout ça va être un résultat. Impact positif sous collectivité. Hein. Par exemple, encore une fois, symposium. L'homme fait choix, me fait symposium. Non, me déconne que symposium, non, pas le mener la grande foule. Même connaît symposium, non, permettre moi d'identifier une série de monde qui a la même idéologie avec, la même vision avec, et qui va le permettre de nous connecter une l'autre. Qui va le permettre de créer des collaborations ensemble. Parce que nous avons cherché, en fait, des impacts sous collectivité. Hein. Si c'est la culture, sport, éducation, solidarité, citoyenneté, le civisme, la responsabilité civique, la santé, l'environnement, situation d'urgence, aide au développement, tout ça, c'est des impacts que nous avons gagnés sous collectivité. Nous avons parlé de changement social, mais en fait, comment changement social va venir? En pile monde, toujours parler du fort gagné ou l'État pour faire 10, faut que le gouvernement fait date. Mais en fait, ça nous parle nous compte. C'est que c'est pas l'équation va commencer avec le gouvernement ou bien l'État. L'équation va commencer avec nous-mêmes, citoyens. Donc, c'est responsabilité civique que nous-mêmes, citoyens, nous gagnons, qu'elle permet l'équation que nous allons gagner, pas que nous gagnons, pour nous continuer à faire impact sur l'autre monde. Mais pour ça, il faut nous gagner éducation civique. Éducation civique pour le créer, pour le créer, ingénierie citoyen responsable, qui va créer
qui va générer ton engagement civique et qui va aider à organiser société, hein, communauté. Hein. Et c'est comme ça que nous avons gagné un changement social. Ils ont été appliés. Il ne faut pas penser que du jour au lendemain, nous avons un résultat. Donc, quelque plus commencer dans la base. Quand il y a un gars qui dit, éducation civique, quand il y a civique et morale, nous avons gagné, bon, il y a un gars encore dans l'école. Si on va étudier civique et morale encore, si on va aller dans l'école, il va chanter la dessalinienne. Donc, qui éducation civique va faire? On parle. Donc, nous sommes d'accord avec nous. Mais pour question bien pour nous, est-ce que c'est dans l'école seulement, souvent l'école seulement, qu'on apprend au monde responsabilité civique? Donc, on a dit non. À travers l'an, nous avons appris responsabilité civique et tout. Oui, d'ailleurs, dans ce sens, Farah, pour l'aspect éducation civique, là, l'école gagne pour responsabilité, pas les mêmes parents, les familles et tout, doit agir dans ce sens. Absolument. Mais maintenant, comme nous d'accord que nous n'avons pas eu côté dévié, en valeur, il y a fini, bien pile monde, j'étais souvent à l'école, mais est-ce que qui qualité d'éducation te recevoir? Nous d'accord, nous avons une génération qui montait, que sont les générations qui est échoué, bafoué. Donc, Konyen, nous dit tête, nous, est-ce que nous avons demandé monde ça qui pas de gain responsable, qui pas de gain éducation civique, est-ce que nous avons demandé que vous venez citoyen responsable? Non. Encore une fois, on commence au côté. Donc, au lieu de nous pointer du doigt, monde qui pas connaît yo, monde qui pas capable de faire yo, pour qui ça nous pas pointer du doigt sur nous-mêmes? Qui ça nous capoter? Et là encore, m'bave nous penser que, bon, ah, moi-même, pour contre, moi, qui ça me capote? Non, non, non. Parler de, encore une fois, parler d'individualisme, puisque, songez, nous toujours dans le contexte de organiser. Donc, nous, grand schéma, là, quoi, m'a montré, nous, qui commençait par point la centrale, là. Citoyen responsable, ben leader responsable. Et c'est comme ça, citoyen responsable, il y a une activité que le cas fait, volontariat, il respecte les lois, il participe dans l'élection, il paye les taxes. Ça, c'est des images d'un citoyen que responsable qui lui-même peut contribuer à développement pays. Mais pour nous arriver dans un niveau, ça, pour nous joindre citoyen responsable, ça n'a pas cherché. Parce que, encore une fois, nous avons un système chaotique. Nous avons l'impression que tout est perdu, nous avons faim. Donc, comment vous véhiculez un message positif, ça? Ça, c'est une grosse question. L'image qui l'a, que nous avons regardé sur l'écran, il y a deux images. Il y a deux photos. Il y a une photo sur la main gauche. Il y a un monde avec un petit opole. Il y a pas la trois mounes. Il y a un monde avec un gros opol. Nous avons dit, nous, mon acte opol, ça c'est moi-même. Ça c'est moi-même qui ai deux, trois mounes là, dans le symposium là, et qui vient participer dans le symposium là, parce que, opol un petit. Même si ma véhicule les messages qui positif ou même différent de ça que d'habitude et que nous, qui populaire, yo. Mais m'la. Nous avons trois mounes avec. Mais nous avons une série de mounes qui ont un gros poleur. Et mounes, ça yo, message arrivé loin. Message yo. Mon pile mounes, tande yo. Est-ce que, parce que nous avons trois mounes devant, nous avons dit, me décourager, ça m'a dit, il n'est pas important pour Haïtien. Pour me dire, ma baye vague. Parce que mounes qui gagnent, plus gros à cette média là maintenant, moun ki gen plus gros parleur là maintenant, c'est lui même qui que tout moun a suivre pour me dire que bon, écoutez, tout est perdu ou bien pour me dire que moun sa yo k'ap suivre hein, c'est parce que par contre vous bouchez ou bien moun sa yo, c'est parce que yo pas yo médiocre. Quelque part oui, mais si nous croyons dans organiser, nous pas penser que nous capable commencer avec trois moun jodi hein, de même qu'a fini côté m'y a 3000 moun, encore, objectif à court terme, à moyen terme et à long terme. Parle au lieu qu'a un petit microphone, mais à tissu, y'a un gros microphone. Cinéaste, y'a un gros microphone. Chanteur, y'a un gros microphone. Média, y'a un gros microphone.
qui ça nous fait avec ça. Exemple de impact que nous avons gagné, exemple de message positif que nous avons eu. M'apprendre des exemples qui que peut-être nous connaît que peut-être nous pas connaît mais m'a encourager nous à le visiter. Game musique Mika Ben Haïti. Et m'a pas game musique là avec là mais musique là parlait de pays à et parler de manger Haïti c'est et café à Haïti c'est griot. Mais en fait, nous parlons si nous rendons compte que musique, là, on se seul parle pas parler là-dedans. On parle de monde. De monde que nous y est comme haïtien. Donc, message, yo, des fois, yo, ka belle, yo, ka, comme psychologue, on t'a dit le matin, yo, ka traverser nous. Mais qui ça, yo, apprendre, moun, yo. Combien, m'inviter nous réfléchir. Combien de musique qu'a produit là qui parlait de responsabilité du citoyen? Très peu. Peut-être BIC, peut-être Bello, ou Jean Roosevelt. Mais en fait, puis forme musique, il y a prêté du doigt l'État. Mais m'a fait nous songer, encore une fois, pour gagner l'État responsable, faut commencer par citoyen responsable. Et nous-mêmes, dans le secteur artistique, là, nous capables de faire éducation de masse. L'autre exemple que m'a donné, m'a continué le film ça, yo. En 1987, il y a un film ça qui titré The Untouchable, que les incorrompus, les incorruptables. Si m'a trompé en français. Film ça, avec Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, qui ça t'a montré, c'est que en New York, te gagné un gros bandit, un gros chef mafia, et qui lui-même t'a acheté juge, chef police, il y a l'agent, il y a gangster avec, il y a moun, qui a massacré moun. C'est lui qui t'a contrôlé New York ou Chicago, si je ne me trompe pas. Eh bien, on vient un groupe moun qui met ensemble, qui dit non, ça va continuer. Il fait justice. Il vient constituer une élite de policiers qui auraient les untouchables ou bien en français que les incompus. Et puis, il a montré que eux-mêmes, ils ne peuvent pas acheter. Son choix, il fait. Parce qu'il dit, ville-là, il faut que changer. Ou bien, l'autre exemple de film américain, et ça, encore, dans le cinéma, photographie. American Gangster, qui produit dernièrement en 2007, si je ne me trompe pas. American Gangster avec et Russell Crowe et Denzel Washington. Si nous regardez films, vous encouragez nous. Regardez ou capable prendre sur YouTube ou capable louer sur YouTube ou bien sur Netflix. American Gangster nous montre aussi un gangster qui lui-même a fait circuler drogue, qui a tout réseau Mouni qui a vend drogue, qui lui-même qui contrôle zone là. Eh bien, on vient gagner un groupe encore, une cellule de la police qui mettait sous pied pour être capable de faire mener enquête et aller derrière l'auteur criminel. Yo prend petit oui, assassin yo prend tout. Mais yo prend moun ki en haut. Parce que qu'on est pour résoudre problème nan, c'est pas moun en bas pour attaquer, c'est moun en haut. Ça c'est des exemples. Cinématographie ka ba nou on certaine inspiration de faire. Et film American Gangster, bah, d'ailleurs son film est inspiré d'une histoire réelle, une histoire vraie. Tout l'an gagné un gros microphone nan men, un gros magnétophone nan men. Artiste yo gagné un gros magnétophone nan men. C'est pas juste critiquer, mais comment nous faire. Maintenant, encore une fois, m'a dit, ça pas veut dire que on est qui connu et moi quand monde qui te fait remarque ça tout à l'heure, c'est pas nèg qui populaire, nèg qui connu ou bien nèg qui gagne plus monde qui marche derrière, l'un des monde gagne plus, gagne qui gagne plus followers sur Instagram, nèg veut dire que les élites qui prêcher en musique on cap ba un produit et d'organisation d'un produit d'espoir ou bien produit de changement de comportement de responsabilité civique.
mais il en vient à chaque entité qui dans secteur ça pour reconnaître impact que gagne la presse, les médias. C'est quatrième pouvoir. En Haïti, pour nous questionner tout, qui choix que directeur de médias yo fait? Et qui choix que journaliste yo fait? Sur Internet, n'a pas cherché popularité, followers. Nous avons témoigné, nous avons un monde qui a une chanteuse qui est très, très, très populaire sur YouTube. Et puis, il y a un monde qui pose la question et dit, monsieur, mais pour ça, c'est choix, ça, on fait pour vendre vulgarité sur YouTube. Dame a répondu, comprenez ou pas comprendre, plus moi dis vulgarité, c'est plus me fait comme. Parce que plus moi dis suivi, et YouTube paye. Encore une fois, de l'individualisme. Mais nous avons possibilité pour nous changer tout ça. Encore une fois, il n'est pas obligé un groupe en pile monde qui fait. Nous capables de constituer, nous commencer à organiser nous en petit groupe, mais nous capables de continuer collaboration au-delà de symposium ça. Continuer faire stratégie parce qu'encore une fois, je ne veux pas dire que ça m'a dit que personne ne va jamais me dire, personne ne va jamais me faire. Pas de monde qui prêche et l'unité, pas de monde qui prêche vivre ensemble, pas de monde qui prêche moralité. Je ne dis pas ça m'a dit. Mais ça m'a dit, c'est que collaboration avec stratégie et concept de leadership et d'organisation, nous avons commencé à prôner ça, nous avons commencé à ouvrir les yeux sous concept ça. Côté nous-mêmes, à travers les œuvres artistiques, nous créer un autre type de comportement, nous influencer le monde, parce que, pas oublier, dans la société haïtienne, il y a des gens toujours qui espèrent jouer nous l'autre message. Et si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, dans le secteur, nous ne pas constituer un groupe côté nous, capable de créer une alternative de message que nous avons recevoir. Et nous avons gagné, nous gagnons parce que nous avons une production artistique là, mais nous avons production, nous gagnons tout véhicule de, et canalisation pour message aller loin, qui c'est les médias. Le rôle que les médias ont joué dans le choix musical, dans le choix et message que a prôné. Est-ce que nous faisons choix pour popularité ou bien nous faisons choix pour nous construire pays plus devant, côté le bon impact? Parce que je dis, nous avons 5 000 captants de nous. Même pas nous garantir, dans 10 ans, nous avons 50 000. Dans 15 ans, nous avons 50 millions. Parce que l'important pour construire, mais lorsqu'on construit ou qu'on est ou quitte ton legacy, pour petit tout, ou qu'on est que l'homme va mourir, ou dit, moi, j'ai construit ça, moi, j'ai fait choix ça. Et c'est lui-même beauté de la société. Hein? Et demain, petit moins, notre génération a remercié le travail que nous faisons. Son choix que lié. Et me dit nous merci pour attention nous. Si y a monde qui veut réagir sous ça et sous ça qui parle yo. Et mais encore une fois me veut nous songer toujours faut nous connaître une notion de d'organisation. Donc faut nous faire attention à débat parce que pas envie tout dans débat côté n'a pas exposé problème. Nous fait ça tout le temps mais on nous parler de solution. Nous gagnons Stéphane et Durand, chef Stéphane, qui dit plus richesse nous gagnons comme haïtien, c'est culture nous. En effet, nous reconnaissons ça, mais qui ça nous fait ça? Si quelqu'un qui veut réagir, et je sais faire me connaît, et puis m'a pas capable de péter nous. Oui, Farah. Moi, t'as même réagi à tout ça, ce que tu dis là, yo. Sur concept d'organisation, de, que nous devons gagner. Pour nous capables de construire en l'autre Haïti, bagay sa yo. Mais aussi, tu t'es illustré certains phénomènes côté monde qui populaire, qui pas véhicule les bons messages et que grand pile monde cap suivi yo. Et là, moi, pense que gagnons l'autre outil que nous devons développer tout, c'est conscientisation ou révolution mentale, là, qu'aille peuple haïtien. Vous comprenez? Parce que moun sa qui populaire, qui pas faire un bon travail, qui pas faire un positif et que pourtant puis moun a suivi là, c'est parce que la preuve on a besoin un groupe moun qui a suivi, qui perdu,
qui pas capable faire bon choix et donc plus il y a courir artiste ça qui populaire qui passe vieux message qui dit bêtises qui a fait vieux geste sur scène et les lui-même il y a beau et monter à bail comme ça ben il a toujours été dans la même situation. Par contre si nous arrivons fait monde ça quoi conscience que ça qui a fait là pas bon pas moral et pas permettre nous avancer en tant que peuple que société et que faut changer mentalité oh, pour nous essayer plus positif. En résumé, Wilkinson, ça me dit. En résumé, ou a dit, c'est pas la rue pour nous comment pour nous diriger le pays, mais en fait, c'est faut gagner des monde qui ont même capa une direction, une vision, okay. Une ligne pour nous connaître, pour nous dire population, société. Hein. Voilà ce qu'il faut suivre. D'accord, avant. Et donc, l'art, la culture, qu'a joué ça. Nous-mêmes, acteurs, opérateurs, qu'a joué ça. Et opportunité mon qui n'en là yo gagne avec public yo capté a c'est une chance énorme pour passer bon message pour éduquer peuple là et me pensais que c'est dans ce sens ça mon ça doué plus essayer de travailler concours artiste que cité taléo qui a travaillé dans ce sens ça qui malheureusement qui est un peu marginalisé mettez de côté c'est pas eux qui fait plus vente qui gagne plus view qui gagne plus écoute bagaille ça yo malheureusement pour nous hein et me t'a remet que Maladie malheureusement. Parce que, en fait, et c'est pas un problème pour Haïti d'ailleurs, et nous venons constater à travers le monde que ça qui est plus facile, ça qui consomme plus vite, tombe bien, ou qui, comme il y a un américain, dit sexe, et le sexe est sain. Donc, il avait dit que ça vend à l'argent. Mais, toutefois, dans toute société, toujours gagner. Un groupe de monde qui ont même dit tracer ligne sociétaire. Et c'est là qu'on y est, nous, même dans le secteur, et m'a retourné la responsabilité, nous capables de créer une stratégie côté, nous dit que nous avons un message pour nous porter mon yo, développer leadership, ça que nous besoin. Parce que dans la société, il y a un pile de monde pour ça. Donc, ben, qu'on y est, pour nous organiser, il faut un message qui vous voyez, pour vous prendre conscience. Pour parce que en fait c'est prendre conscience que moi-même j'ai pouvoir que mon cas connecté avec un autre monde. Un exemple bien simple et je sais pas nous vous voulez intervenir ma parler c'est un exemple bien simple nous quand on est haïtien Abdou oh tout haïtien pas bon. Oh tout haïtien pas bon. Ou bien on va faire haïtien confiance. Mais en fait quand pour ça c'est parce que mon n'a pas qu'on fait tri qualité monde que le bon hôtel. Parce que bon, écoutez, et la médiocrité, le manque d'intégrité, le manque d'éthique, c'est pas des bavards qui propre ici, c'est pas ici qui pas bon. Donc c'est dans c'est vous joindre des monde qui pas bon, des monde qui pas bon, joindre des monde qui bon. Maintenant qui c'est choix ou de monde qu'on gagne autour de vous. Et comme citoyen, ça a tout son message que nous avons et ben comme les œuvres artistiques qui avons message ça, qui choix monde qu'on gagne autour de vous. Et qui soit un message qu'on a écouté, et médias lui-même qui a véhiculé ça, qui a fait éducation que moun yo. Est-ce que nous privé non pour écouter, nous avons plus moun qui a écouté nous? Moun quoi ça? Mais faut nous commencer à côté. Stéphane? Bon, écoute, il faut que nous commençons à côté. Il faut que nous suspendions tout, utiliser des mots comment on dit ça en français, derogatory. Ces mots qui ont une substance négative et pour définir ce que nous sommes et ce que nous avons. Ok, mais l'important tout. Et ces problèmes, c'est même aucun le proverbe nous utilise que on est jamais roi chez soi. Ok, ça veut dire que propre moun pour yo pas poto en lait, yo pas reconnaître, yo pas bon valeur, yo pas metto son piédestal. Alors que donc c'est étranger, hein, c'est blanc, c'est et ça c'est pas notre conversation ça seulement non c'est une conversation noire là ça c'est une conversation peuple noir là ça donc des programmes des
initiative que nous symposium ça, des activités que n'a fait pour lever pas seulement le pas seulement pour nous vendre culture nous pour nous cher culture nous avec l'autre monde, mais pour nous porter drapeau dans en l'air parce que encore une fois et conversation haïtien même dans bouche étrangère pas positif. Même le que célébrer des individuels. Nous, Daniela Ferrière, docteur Pape, nous continuons toujours. Même le que nous célébrer ces individuels. Mais là, pas parler d'eux comme haïtiens, non? Il parle d'eux comme étrangers d'abord. Il parle de Dani. Il parle de Dani qui c'est une plus gros. Et esprit littéraire que nous gagnons, je dis Canadien d'abord. Le Canada parle de lui, c'est Canadien. Il n'y a pas nommé comme haïtien. Donc, je pense que l'important que nous devons et solidifier genre de initiative ça, genre de organisation ça, pour que nous continuions à faire travail important. Parce que moi, je dis encore, quel que soit côté me passé, j'ai eu plusieurs ambassadeurs à m'inviter. Ambassadeur à Haïti au Venezuela, ambassadeur à Washington, ambassadeur. Bon, mal joué qu'en Irlande pour me présenter cuisine haïtienne. Je porte mon lait. Mais yet la caille moi manque d'attraction. Moi me dit que justement que ça chef Stéphane Abdio, c'est là que nous besoin amplifier stratégie collaboration yo, pour nous pas camper pour contre nous, parce que depuis me commencer symposium ça moi découvrir des monde que me pas connais. Wilkinson, moins développé des relations avant que nous pas bien avant. L'esprit m'avoir connecté ou en France, moi là aux États-Unis. Chef Stéphane, son monde que bien admiré. Tout travail à faire. Nous, on fait un an, nous pas parler, mais l'aile depuis le relais, nous connaît. Gon paraît positif, il parle pas là avec moi. Gon paraît positif que l'y v'lait faire. Et moi-même, tout, je suis capable de porter apport positif, là, à expertise par mes communications. Même capoter communication. Même capoter connecter avec un monde, par exemple. Qui a aidé le développer organisation là, ou monde ou bien organisation qui a fait le jeune un grant, une subvention qui a levé niveau organisation. Depuis me cap ballon expertise un conseil côté lui-même il capable d'expand organisation là. Donc certainement ça sont l'autre débat, mais en fait elle n'a pas parlé de poser action faire stratégie, me veut ba nous des exemples concrets. Qui se plie pas paraître une utopie, vous dit, ah, bon, ok, ou, moi, en France, là, ou même au Canada, ben, ah, moi, c'est en Haïti, mieux, bon, comment nous pouvons collaborer avant? Non, nous pouvons collaborer avant par rapport à une plateforme que nous avons, ou quand on vole. Et chaque fois, vous volez, ou grandit, ou j'ai une plateforme que vous exposez idée, ou, vous toujours songez que, ah, c'était fait, bon, oh, c'était chef Stéphane, qui était connecté, ça. Mais ça nous a fait, comme, secteur artistique. Parce que pas oublier que pendant ce que Stéphane dit tout, que secteur artistique, le secteur culturel noir, c'est très fort. Mais pas oublier que dans le monde entier, c'est nos plus gros ambassadeurs pour Haïti. Conclusion, est-ce que tout ça n'a pas obligé d'être en Haïti? Est-ce que nous pas capables de constituer un canal côté nous capables d'aider artistes New York? Ça qui allait dans la même ligne d'idée avec nous, vendre ce marché international. En façon que nous ayons même petit jeune haïtien qui vivent dans la diaspora, capable de connecter avec et artiste et capable de donner un autre message. Conversation en longue, et je ne connais pas si nous avons un dernier mot que nous voulons ajouter, et je remercie Wilkinson, Stéphane, qui ont même développé ce genre, parce que nous avons l'autre monde sous, et qui n'a pas assisté à ce symposium, non, mais qui peut parler. Donc, m'a quitté Wilkinson, chef Stéphane. Dis un dernier mot, Wilkinson, pour moun qui pas connaît,
et introduit qui est souillé, qui soit fait et qui koto, de qui koto branché. Et puis, n'a pas fini avec et surveillant et enquête là, que m'a demandé tout le monde pour participer. Et on va nous fermer ce symposium là. Alors, Wilkinson, une présentation de toi, et puis un mot de clôture, un mot de positif. Et puis, chef Stéphane, et on va pas après. Oui, donc, moi, c'est une petite tête d'Haïti qui est en France depuis une quarantaine d'années. Moi, après évoluer dans le domaine média par passion, moi pas formé dans le domaine non, mais moi mettais tout cœur, moi toute énergie, moi pour moi défendre culture pays nous, présenter peuple nous son l'autre façon que représenter le média internationaux, notamment ici en France. Hein. Moi présenter actualité pays nous on l'autre gentou pour que et malheureusement en France, dans le pays la France, actualité haïtienne n'a presque pas existé, ou pas parler de ça qui passe en Haïti en général. Donc son travail est très important, parce que je pense qu'on peut doué maîtriser façon il y a communiquer information sous lui. C'est pas étranger seulement qui doit communiquer sous vous, parce que pendant longtemps tout média étranger, internationaux, gros médias, ils étaient souvent véhiculé mauvais image de Haïti. Bah dit que pas et pas pour ça il dit ah, mais gain de pas gayoté doué dit pour nuancer, pour montrer que gain on certains bagages positifs, gain monde qui combat bagaille mal qu'a fait dans le pays d'Haïti. Donc moi depuis une vingtaine d'années, c'est dans sens ça m'a fait travail moi avec tout cœur moi, toute passion moi et m'a supporté dans le domaine artistique là, notamment musical puisque c'est dans radio moyen. M'a fait donc, découvrir en plus. Bienvenue en Haïti. Oui. L'émission les Bienvenue en Haïti sur radio RGB qui c'est www.radiorgb.net que nous capables écouter le samedi monde qui Haïti aux États-Unis entre 8h et 10h du matin. Hein, donc c'est une émission qui est un peu sortie de l'ordinaire par rapport à ça que qui proposait dans la communauté haïtienne en France, hein, qui souvent c'est une émission purement musicale qui là pour faire promotion compare bah avec ça seulement alors que nous avons pile l'autre style musical là qu'à nous que moi m'a fait découvrir apprécier découvrir jeune talent hein, donc c'est dans ce sens ça que m'a travaillé et moi t'as même fait passer un message d'espoir positif pour pays nous pour peuple noir que malgré situation, hein, nous gagnons pile ressources encore. Nous gagnons pile l'opportunité devant nous. Moi, en Haïti, on l'a problème seulement. Pour moi, son Far West Haïti qui gagne pile l'opportunité. Côté diaspora, avec Haïtien Haïti, capable de mettre ensemble pour nous reconstruire pays, reconstruire société noire. Hein. Parce qu'il s'agit pas seulement de reconstruire Haïti, mais pour laisser même monde qui l'a, genre, à fonctionner, parce que il n'y a pas besoin de camacher. Donc, faut nous reconstruire, reformer Mounio pour être capable de fonctionner normalement et rebâtir pays, mettre infrastructure, mettre normes dans pays, mettre loi pour pays qui fonctionner comme ça doit, sans parti pré-politique ou quoi que ce soit. Merci Wilkinson, bâti l'Haïtien d'abord avant de bâtir Haïti, ça c'est fort. Merci Wilkinson et nous-mêmes artistes, nous-mêmes dans le secteur média, nous-mêmes dans le secteur artistique, nous capables de faire ça parce que nous avons façonné notre message. Wilkinson, juste pour l'audience qu'on connaît, et on dit que vous faites une émission, mais ce n'est pas passion, une émission radiophonique, mais ce n'est pas passion. Et vous parlez, vous dites nous, dans quel domaine vous avez évolué, quelle profession? Alors, au niveau formation, moi, je suis formé en commerce, en banque, finance, assurance. Actuellement, on travaille pour une grosse banque mondiale. Bon, bah, je vais citer, non, pour ne pas faire, publicité, mais au moins dans le domaine informatique. Oh, HSBC. HSBC. OK. C'est une domaine... banque britannique bancaire. Voilà. Mes compliments, et, Wilkinson, mes compliments pour son travail à faire, parce que encore, raison que c'est important pour nous connaître, et ce qu'a dit, ce que nous avons dit, background, nous, c'est parce qu'assez souvent, nous avons tendance à comprendre que, au monde qui a fait radio, son monde qui pas gagné au niveau d'éducation, ou bien son monde qui jusqu'à fait et qui parce que il pas professionnel, c'est pas les premières activités professionnelles, ça veut dire que monza c'est à minimiser. Mais non, nous qui en pile professionnel, en pile monde qui gagne de grandes formations qui dans secteur artistique là, mais si nous pas vendre, si nous pas marketer, si nous pas faire monio valoriser, et bien eux même pas pouvoir valoriser nous. Donc Wilkinson, ou te ka choisi banque
Banque Britannique la bon l'argent va fonctionner, va régler les business en France, mais non, ou sacrifier l'autre temps pour préparer des émissions de qualité. Et ma petite mounio, ma m'invite dans l'émission parce que l'émission est une émission de très bonne qualité en France. Merci pour le travail que tu fais. Merci pour la promotion de l'art haïtien, mais aussi de l'image de l'haïtien que tu vends en France et sur le net, parce que, en fait, tout le monde qui attend votre question à côté de rien. Encore une fois, merci Wilkinson. Chef Stéphane. Merci, c'est un devoir pour moi. On va clôturer session sous passion et message là, et pour simuler un comportement positif et organiser société. Hein, dis-nous. Voilà, d'abord, compliment. D'abord, compliment pour le travail que tu fais. D'abord, compliment pour ce symposium. Et d'abord, compliment pour résilience. Parce que nous connaissons qui joue à vous. Et moi-même, moi, c'est Chef Stéphane. Je suis président Alliance culinaire haïtienne, cofondateur Alliance 1. Qui fondé en 2011, d'abord en Haïti et puis après ça aux États-Unis. Moi, son chef consultant. Moi, voyager pour des événements, pour cuisiner pour des événements de par le monde. Et donc, moi, et service traiteur qui est Culinary by Design. Et là, m'a tout dit nous ça, le mois de mai, c'est le mois de l'héritage culturel haïtien. Et Haitian Heritage Month. Et je pense que c'est aussi célébration et création drapeau bleu et rouge noir hein, que nous baille autant de valeur qui fait partie d'un moment historique et incontournable pas seulement de pays mais du monde entier. Et je pense que c'est le devoir de tout haïtien pour célébrer héritage ça, pour célébrer culture ça, pour célébrer richesse que nous gagnons. Donc moi-même, m'a préparé des activités au niveau culinaire pour promouvoir cuisine haïtienne, pour promouvoir gastronomie haïtienne, pour promouvoir chef cuisinier nous, moun qui dans domaine manger, qui dans domaine et création de nourriture là. Donc moi-même et tout mois de mai m'a préparé des activités nous cap n'a pas suivre moi sur net là nous ca et sur IG c'est HCA global si nous voulez suivre moi sur moi-même personnellement c'est Haitian Chef et donc n'a pas ouais toute activité que m'a planifié n'a sur Facebook. Et moi j'ai un nouveau moi au contraire moi j'ai un nouveau et podcast que m'a lancé avec un autre chef haïtien qui est en Haïti, chef David Destino qui est sac à cuite cap en créole en français en anglais n'a mélangé toute langue ensemble parce que nous avons toute langue en bas bouche non. Donc nous avons un paquet d'activités que n'a planifié pour moi de mai hein. Donc et quel que soit monde qui t'a aimé connecté avec nous n'a pas joindre nous ka joindre moi comme on dit nous sur Instagram mais par email aussi haitianculinaryalliance@gmail.com si nous intéressé connait activité que m'a planifié si nous intéressé supporter activité que m'a planifié si nous ta aimé faire des partenariats avec sur activité que m'a planifié mais drame avec porte moi toujours ouvert parce que moi-même, moi crois dans le partenariat, moi crois dans la collaboration, parce que c'est seul gens, c'est maintenant, mais seulement nous qui avons fait le bagage. Merci, Chef Stéphane. Et c'est comme ça que je vais clôturer la présentation. Pas maintenant, mais je vais demander de ne pas déplacer parce que nous gagnons la troisième partie et enquête CARICOM que nous avons envie de participer. Et je vais demander de aller sous la partie collant. Nous gagnons une partie blanche qui est écran et espace blanc qui sous la main droite et écran noir. Eh bien, nous gagnons une série de questions que m'a demandé de nous participer. Chef Stéphane Wilkinson et tout le monde participant qui est avec nous, tant pis, et m'a posé des questions et n'a répondu, n'a fait plusieurs sélections que nous jugeons qui bon. Donc, première question, hein, c'est qui secteur qui offre plus d'initiatives pour faire stratégie? Ou en anglais, what are the sectors
with more strategic cluster initiatives, opportunities. Ou bien en français, quels sont les secteurs offrant les opportunités d'initiatives les plus stratégiques? Est-ce que c'est musique? Si c'est live performance ou bien studio? Est-ce que c'est film, mais télévision, digital media? Et encore, dans le contexte haïtien. Pas général, dans le contexte haïtien, c'est sous marché par nous. Donc, nous allons répondre. Est-ce que nous avons participé? Do we have any response of the poll? We have some few. OK, good. M'a continué. Et deuxième question, hein? Est-ce que nouveau technologie a facilité plus accès à audience ou bien consommateur dans pays nous? Dans l'autre pays plutôt, dans l'autre pays. Ça c'est dans l'autre pays. Ça dit nous même haïtien, est-ce que nous jugez que technologie a ban nous accès à l'autre audience dans l'autre pays? All the new technologies helping to increase access to audience consumers abroad. Est-ce que les nouvelles technologies facilitent-elles plus d'accès aux audiences consommateurs à l'étranger? Choisi, est-ce que nous jugez que les pauvres? Est-ce que nous jugez que les est en bas et la moyenne? Est-ce que les la moyenne? Ou bien est-ce que les plus haut que la moyenne? Ou bien est-ce que nous jugez que l'excellent? Songez que et participation nous dans ce podium ça et non c'était enquête ça a aidé nous continuer faire plaidoirie pour secteur continuer collecter données participation réponse nous pour les découvrir pour nous capable développer des documents des manuscrits qui pour continuer faire des plaidoiries et chaque année n'a continuer faire et ou même tout et ou capable partager surveyer avec nous si nous intéressé. Nous avons envoyé un email pour moi, m'a envoyé un lien pour nous continuer et partager en tête la clôture monde par nous. Par exemple, chef Stéphane, nous capable faire nous partenariat Alliance pour nous participer dans enquête ça. Troisième question, est-ce que nouveau technologie ou facilité pour faire plus pour gagner plus accès à audience ou bien consommateur dans pays pour avant, c'était à l'étranger, qu'on y a en Haïti. Est-ce que nous pensons que les technologies permettent à Haïtiens d'avoir plus accès avec et production artistique? Quatrième question. Qui gens ont évalué vos compagnies industrielles et culturelles gagné accès à technologies appropriées à vos c'est-à-dire, un artiste ou un business ou est-ce que ou gagnez ou est-ce que qui sont faits pour gagner accès à la technologie? Par exemple, nous maintenant pays nous connaissons des problèmes d'électricité, grand question de internet qui pas bon. Est-ce que nous jugez que ça et nous gagnons accès à ça? How do you rate creative industry companies? Ça dire dit que il faut tout le monde et option et non gratifio et alliancio, association yo et artistio professionnel, est-ce que nous avons accès à la technologie dans le pays? Non? Comment nous voyons ça? L'autre question, qui est dans la déclaration ça yo, concernant les ressources humaines dans l'industrie créative? Là, nous sommes d'accord avec. C'est-à-dire, nous avons plusieurs, nous avons 5 déclarations. Et bien, nous avons choisi à qui nous sommes d'accord avec. There is sufficient local and appropriately skilled talent. Est-ce qu'il y a assez de monde professionnel, entrepreneur, qui a encadré le secteur artistique là, au niveau local? Est-ce qu'il y a assez de monde comme ça? We are able to retain talent in the creative sector. Est-ce que nous avons assez de talent? Est-ce que nous avons talent yo artistes dans le secteur? Est-ce que nous jugez que nous avons? Training resources are aligned with the needs of the industry. Est-ce que nous pensons qu'il y a une formation adéquate qui permettent que le monde développe dans le secteur industriel, ça. Que c'est en Haïti ou bien en diaspora. Pour répondre à besoin de monde. Est-ce que les workers are skilled enough to produce a cultural product that is internationally competitive? Est-ce que nous pensons que le monde capable dans le secteur capable de créer des productions, des marchandises, des produits, par exemple, un sac à main, un sandal, qui est capable de compétitif sur le marché international? Creative industry, entrepreneurs and companies have sufficient business and marketing skills. Est-ce que artistes nous, entrepreneurs, compagnies, organisations, est-ce que nous gagnons et potentialité assez pour nous en business
en gestion des affaires ou bien marketing? Que nous pensez ça? Qui est sa déclaration à eux concernant un secteur que nous d'accord avec? Est-ce que creative industry entrepreneurs and companies have sufficient digital skills? Digital distribution, approach social media application. Est-ce que nous croyons que nous qui dans le secteur ça, yo compte comment pour manipuler les médias sociaux pour yo capable capable permettre que yo faire promotion production. Est-ce que nous d'accord avec affirmation ça? Si nous pas d'accord avec une affirmation yo, juste pas cliquer sur yo. Si nous d'accord avec deux trois, cliquez sur ça nous d'accord avec. Et puis comme dernière question, qui programme développement de marché qui a supporté croissance industrie créative et créatif là? Qui programme de développement de marché qui a supporté croissance dans l'industrie créative là? Nous gagnons trade mission, c'est-à-dire mission de commerce, échange commercial, en dedans comme dehors. Export grant, c'est-à-dire et subvention, qui a aidé nous permettre de faire exportation, vendre sur le marché international. Business to business initiative, est-ce que nous collaboration entre un business ça, est-ce que nous collaboration entre business entreprise à entreprise dans le secteur artistique là. Elle dit entreprise à entreprise, les capables ont association avec notre association, les capables tout en création ou artiste font création avec l'autre artiste et puis qui permettent que nous développer d'autres produits. Est-ce que bien assez de trade fair support? Est-ce que là nous décidons de faire fort tant que chef Sefa dit pas la présenter et fort depuis 2011? Est-ce que bien support dans ce ça? Parce que l'a développé en commerce, l'a développé en discipline artistique comme on était méconnu, comme on t'a connu. Est-ce que tout une stratégie de partenariat avec association ou bien étrangère? Ou bien de l'industrie à l'étranger. Strategic partnership with foreign industry association. Est-ce qu'en Haïti, nous faisons de partenariat, ça? Et nous parlons d'association, nous parlons d'individuel, non? Association. Est-ce qu'il y a un partenariat, ça? Et puis, dernier, c'est financing and support for startup. Est-ce qu'il y a l'argent pour le monde qui fait à commencer dans ce domaine-là? Donc, est-ce qu'il y a un genre de programme, ça, pour développer marché? Pour supporter croissance industrielle ou bien moun qui est dans le secteur artistique. Est-ce que gagne? Si pas gagne, pas choisi. Si gagne, nous choisi une à d'un gagne, n'a pas sélectionné. Merci beaucoup. Nous souhaitons tout le monde participer dans ce symposium et participer dans l'enquête là. Encore une fois, enquête est disponible en ligne. Si vous allez sur page Taylor Management Group, n'a pouvez et côté nous enregistré avec un bouton bleu. Pour nous être capable d'enregistrer pour événement, eh bien, en l'air, il y a un bouton vert et enquête ça, il est disponible, nous sommes capables toujours prêts à n'importe quel moment. Et nous sommes capables d'encourager l'autre monde. Encore une fois, merci tout le monde. Je suis pas capable de finir et symposium dans jeudi en troisième édition. Haitian Creative and Cultural Industry Symposium. Tant que dans nos Maca Foundation, dans nos et New Level de Group Realty, Shelly Lozé qui malheureusement pas capable là avec nous parce que lui pris dans l'autre travail que le gagne et un peu plus tôt et au début de ce symposium là à midi nous de gagne Myrto Valsin et qui était avec nous qui représente Maca Foundation. Eh bien là nous trois institutions ça met ensemble pour nous organiser ce symposium. Nous avons dit merci à nous-mêmes participants d'ailleurs, d'abord, nous-mêmes qui avons fait choix pour nous participer, parce que nous avons notre choix pour nous être là. Nous-mêmes qui tout contribué à succès symposium, non, qui intervenu par question nous, par commentaire nous. Merci à Dr. Gerda Nicolas, psychologue, et qui a animé premier et débat. Merci aux artistes, cinéaste Ardan Antonin et le musicien-compositeur BIC. Et puis, m'a remercié certainement et toute équipe production noire qui permettent que symposium ça arrive visuellement. Tout d'abord, Christophe Siméon, qui lui-même en charge de production radiophonique, fait spot publicitaire,
et femme dit nous que toute équipe ça nous là non là c'est un monde qui pas dormir la nuit pour travail. Nous gain Pierre Michel Théodat qui font travail extraordinaire non et fait et promotion en ligne pour nous et qui est Pierre Michel Théodat qui représentait Tela Management Group et en Haïti, c'est le visionnaire de Tela Management Group, c'est lui qui a choisi nous. Hein? Tela Théodat Laurieux, merci encore Pierre Michel Théodat, un grand amour et merci pour vision et que n'a continuer travail. Et n'a continué à aller l'autre monde pour continuer vision là. Et merci à Mackenzie Jeune qui même fait tout travail de production pour nous et toute vidéo nous ouais tutoriel yo et bien Mackenzie pas dormi la nuit pour produire. Merci Mackenzie. Femme dit nous que symposium non a bien vidéo a disponible et très bientôt et production c'est encore Mackenzie. Donc nous dit nous c'est tout au studio là. Lumière, projecteur et vidéo, caméra et photo, c'est Mackenzie. Merci à Jenica Wozmik, c'est secrétaire de la Management Group, qui semaine ça d'ailleurs après dernier examen parce que l'a étudié marketing à Broward, à Miami-Dade College. Donc compliment à Jenica et merci parce que en dépit de dernier examen après l'école, il a campé pour le café. Et réalisation ça. Merci tout à Matteo qui c'est internship, il c'est stagiaire dans Tela Management Group et il c'est business et development coordinator nous. Matteo fait et fini tout et examen et l'a pas étudié business development avec un minor en marketing dans Nova Southeastern University. Donc pour monde qui comprennent que lors du secteur artistique veut dire monde qui pas formé ou bien monde qui pas gain un bon niveau étude nous trompons nous secteur artistique là gagne monde qui gagne gros étude qui gagne gros diplôme donc c'est pas peut-être nécessairement monde qui gagne non cité faux et fort là ou bien monde qui lui même reconnu sur la scène nationale internationale qui veut dire que c'est eux même seulement qui a fait force secteur artistique là. Mackenzie son monde qui gradué à Broward College qui a continué étudier Miami-Dade College non à Broward c'est peut-être ça peut pas dire à Miami-Dade College qui commencé en Haïti dans production continue ici d'après étudier et a continué production donc certainement lit et a offri et qualité et production non pour marché haïtien et pour les œuvres haïtiennes. Et puis collaborateurs nous les médias haïtiens, un grand merci et c'est eux même qui portent message dans bien loin pour que symposium ça t'est arrivé jeune en pile monde à travers le monde. Nous remercions le Nouvelliste, le Floridien, Signal FM, Radio Signal FM et Explosion Show et Haitian Times et qui New York, Bival Marketing qui New York. Nous remercions tout Télémix avec Ex Abela qui en Haïti et Radio Télévision et Caraïbes et Radio Métropole, GS Communication et de Georges Siméon au Canada. Un grand merci. Merci à Magique 9, Ticket Magazine, Télé Anacaona ici en Floride. Merci à Focus Marketing, Claude Bernard Célestin, un monde que je ne remets pas la veille, un monde que je vais prendre en pile de lit, et lui-même tout, là, va prendre en pile de moi. Donc, nous avons dit nous tout. Le monde positif rencontré et au Chita parler, il fait jaillir la lumière. Et Claude Bernard Célestin, son monde, au Chita parler avec, la lumière a jailli. Merci à Mélodie FM, Radio Mélodie FM, LCTA, un grand merci à toute l'équipe de Mélodie FM qui, chaque jour, a ban nous promotion. Belinda et Asnel et Robinson, un grand merci à tout l'autre monde que je n'ai pas cité dans Radio Mélodie. Merci à Vision, Radio Vision 2000 et Nadège Cajuste et Natacha. Et merci et à nous toutes. Nous disons merci à et tout le monde qui était bon interview tout dans Radio et Vision 2000, à Nixon. Et moi, je dis merci à et Radio. À Touchem Douce, nous dit merci à Piclise et nous m'a dit merci tout et surtout à Wilkinson
Wilkinson, j'ai l'impression que il va te mettre le logo. Non, 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 ça c'est pas ça. Non, c'est pas un problème. Okay. Il va pas faire ça. Et t'es gagné, t'es gagné, t'es gagné, t'es gagné un message qui t'est fait. Donc, en fait, c'est encore. Non, seulement, c'est seulement hier, moi, t'es fourni logo radio. C'est pour ça, peut-être que ma radio logo a pas su faire figurer. Merci, merci, Wilkinson. Et c'est. Bienvenue en Haïti, et c'est la radio? Radio RGB, qui c'est une radio locale dans la région côté ma vie en France, là, mais qui est ouverte sur toute culture, monde qui est installé dans la zone nord, donc et qui permet moi de gagner un créneau pour moi faire travailler ça pour Haïti, pour le peuple noir. Merci beaucoup, Wilkinson, pour le travail ça fait en France. Chers amis, et c'est là que nous mettons fin à la troisième édition et symposium sur l'industrie créative et culturelle. Moi, ben, nous rendez-vous l'année prochaine. Et me souhaiter l'année prochaine, nous sommes capables de faire parce qu'en fait, et jusqu'à présent, nous faisons chaque deux ans. L'année dernière, nous n'étions pas capables de faire, mais nous connaissons le monde et rentré en confinement. Et même, toutefois, je pense que Internet, via la technologie, nous permet de nous connecter. Et moi, j'aime l'idée de faire ce symposium sur virtuellement parce que le connecter nous avec un pays qui peut-être qu'à difficile pour eux pour être capable en avion pour rentrer aux États-Unis une fois ou bien rentrer en Haïti à faire ce symposium là. Donc encore une fois merci à tout le monde, à la prochaine, et non c'est pas la mieux pour le monde qui t'a regardé à dernière minute, et nous dit tout le monde bonne fin de soirée et puis à la prochaine, et puis n'a continuer organiser, n'a continuer collaborer. Oui, longue vie à symposium, non? Et puis à l'année prochaine, si Dieu veut. À l'année prochaine. Merci pour le souhait. Bye bye.